choisi la France comme terre d'accueil. C'était un homme humble qui n'était pas riche d'argent ni d'amour. La meilleure des choses qu'il possédait était sa qualité humaine. Aujourd'hui, nous sommes tous porteurs de lui et de son amour. Son amitié fidèle va grandement manquer à ses amis, mais il a pleinement vécu sa vie. Il a su aimer et profiter de chaque instant avec les siens. La mort ne l'emporte pas, elle multiplie sa vie dans chacun de nos bras. Il nous faut faire notre deuil et le laisser partir en paix. Pour cela, nous acceptons que la mort fait partie du chemin de la vie. Repose en paix dans ce pays que tu as choisi sans douleur où règne l'amour, où nous savons tous que tu nous observes et nous protèges. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous pleurons aujourd'hui pour des mots d'amour envoyés vers les cieux, afin d'ouvrir ton cœur de bonheur dans ta dernière vie. Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, tes amis qui t'aiment pour toujours. Amen. Ensuite, là, j'ai un mot qui vient de la Guyane, c'est sa fille qui n'a pas pu venir, qui a envoyé un texte et qui souhaiterait que... Mon cher papa, papa, tu as fui la guerre pour nous sauver de la misère. Papa, tu n'étais pas riche, ni nous, ni des enfants. Nous n'avons jamais manqué de vêtements, de chaussures et de nourriture. Papa, je suis très fière de toi. Tu m'as fait 400 ans. Tu nous as aimés comme tu le pouvais. Maintenant que ton cœur s'est arrêté de battre, je suis si triste, car je ne vais plus entendre ta voix. Quand je vais prononcer ce mot papa, personne ne va me répondre. Je sais que tu es parti dans le ciel, tu es devenu une étoile qui m'éclairait la nuit. Sache, papa, que tu vas laisser un grand vide dans ma vie, mais qu'il y aura toujours une place pour toi dans mon cœur. Dieu est grand, Dieu te protège, papa. Ta fille dit Julienne. Ensuite, moi je suis sa femme, je suis la femme de son grand-fils. Et ça fait 27 ans que je suis dans la famille. Donc je peux lui dire quelque chose. Oui, mais Un jour, mon père m'a dit, neuf garçons ne suivent pas
était mon père. Je comprenais ce qu'il voulait dire. Mais aujourd'hui, je le comprends encore beaucoup plus. Parce que c'était comme si aujourd'hui, quand il nous a quittés, c'est comme si un gros pilier s'est effondré. Mais je pense qu'il nous a appris beaucoup de choses, énormément de choses. C'est ce qui fait que chaque garçon construira ce pilier dans chaque famille. En tout cas, il nous a beaucoup appris des choses. C'était un bon vivant. Il aimait rigoler, parler de choses sérieuses. Il nous a appris que dans la vie, il faut s'amuser aussi. Mais quand il faut être sérieux, il faut être sérieux pour réussir dans la vie. En tout cas, papa, nous t'aimons. Papa, on ne t'oubliera jamais. On t'aime de tout notre cœur, papa. Amen. Grand-père, Thank you.
Để đời giờ đã lòng thêm khờ nè. Nó nói giờ bằng thiết khẩu ý. Cứ lì lì đấy, ốc hành hình của ốc.